Votre pouvoir réside dans votre capacité à contrôler vos émotions. Une fois que quelqu'un a le contrôle de votre monde intérieur, il devient votre maître. Protégez votre réputation à tout prix. Quand il est fort, vos rivaux vous défieront rarement. Quand il est faible, les attaques viendront de tous les coins. Éliminez les braises avant qu'elles ne s'enflamment. Ne prenez pas de décision lorsque l'émotion vous trouble, attendez que la situation s'éclaircisse et agissez. Soyez adaptable dans votre règle. Les marées de changement sont incessantes et éroderont lentement toutes les structures rigides qui s'y opposent. Soyez fluide ou vous risquez d'être transformé en poussière. Pour puiser dans le véritable potentiel de votre pouvoir, concentrez vos énergies vers un objectif singulier. Méfiez-vous de ceux qui prétendent n'avoir aucun intérêt pour le pouvoir car c'est souvent une stratégie pour vous désarmer. Le moment venu, ils frapperont sans hésiter et il sera trop tard pour agir. Un royaume isolé est un royaume vulnérable. Pour être fort, il faut avoir des alliances. Une forteresse peut vite devenir une prison lorsqu'elle est entourée d'ennemis. Pour obtenir un véritable allié, expliquez comment votre cause peut profiter à la leur. Les liens de bonne volonté ne sont que de minces fils, tandis que les liens d'intérêt mutuel sont comme des chaînes d'acier. Faites attention aux résultats que les gens produisent, pas à leurs intentions. Bien que beaucoup souhaitent bien faire, cela ne garantit pas des résultats favorables. Entrez dans la mêlée avec audace, l'action timide se heurte souvent à une forte opposition. Lorsqu'entouré par le désarroi, soyez bien ordonné. Lorsque les émotions montent et descendent, restez calme et stable. Lorsque le danger se profile et que même les guerriers les plus courageux reculent de peur, tenez-vous droit et affrontez le mal qui s'oppose. Que vos valeurs soient comme des phares brillants dans les brumes du désordre. Donnez à votre peuple quelque chose avec lequel s'orienter. Lorsque vous êtes maîtrisé, rendez-vous, ne vous laissez pas écraser entièrement à cause de l'honneur. Votre ennemi ne vous considérera plus comme une menace, vous donnant la possibilité de planifier une autre attaque. Dirigez les mouvements de votre ennemi en le tentant avec des appâts, en provoquant sa colère et en jouant avec son orgueil. Perturbez leurs plans et contrôlez vos ennemis comme vous le souhaitez. Agir avec précipitation affaiblit votre contrôle. Ayez confiance que vos ambitions se concrétiseront et restez patient. Tout comme un agriculteur prend soin de ses champs afin qu'il puisse produire des récoltes, cultivez les conditions nécessaires pour que les gens s'épanouissent. Les besoins du royaume passent avant vos propres désirs égoïstes. Utilisez les dispositifs de grandeur et de spectacle pour paraître puissant aux autres.
Inspirez le respect avec des affichages impressionnants. Soyez un symbole de transformation pour votre peuple, la réponse à ses prières. Tenez compte de ce conseil et gagnez de nombreux sujets fidèles. Planifiez vos affaires jusqu'au bout, vous pourrez ainsi contrer les déboires qui vous arriveront inévitablement. Cachez vos plans avec une mauvaise direction, faites croire à vos ennemis que vous désirez une chose mais élaborez secrètement une stratégie pour une autre. Ce faisant, l'opposition met en place des défenses au mauvais endroit, laissant ce que vous désirez vraiment ouvert pour la prise. Éliminez complètement vos problèmes de peur qu'ils ne reviennent avec l'esprit de vengeance. Reconnaissez la grandeur chez les autres, accordez des bénédictions à ceux qui en sont dignes. Les gens doivent se sentir chéris s'ils veulent faire de leur mieux. Pour embrouiller et intimider vos ennemis, soyez délibérément imprévisible. Vivez selon les principes que vous souhaitez voir suivis dans vos terres.